appel de détresse provenait de cette île. Tout a l'air calme sur la plage, mais j'ai un mauvais pressentiment. Oh ! Tu trouves ça calme ? Ça chauffe drôlement ici. Ce sera pire quand on sera sur la plage. Les tireurs de Black sont bien retranchés. Mode méca. Plus vite, plus vite. Débarrasser de cette boîte à pilules. Ou on va être bloqué dans cette tranchée un bon bout de temps. Burpee, Electra, le double barilé, vite! J'ai loupé quelque chose. C'était moi une. D'accord, on a réussi. Mais je suis prêt à parier qu'il nous réserve encore bien pire. Les hommes de Black sont arrivés en ville. Ils ont établi cette tête de pont et ils ont pris le pouvoir. Leur armée est commandée par un être ou une chose que je n'avais encore jamais vue. Et j'en ai vu beaucoup. On a bien tenté de riposter, mais la plupart des slugs de la caverne ont été capturés et emmenés dans une forteresse au centre de l'île où les hommes de Black les transforment en ghouls. Nos tentatives pour les arrêter ont échoué. Sans l'énergie des slugs, cette caverne va s'éteindre. Nous devons aller à la forteresse et libérer les slugs au plus vite. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il vous faudra d'abord passer cette barricade qui coupe la route de la ville. Pas de problème. Oh, ce sera bien plus dur que la bataille de ce matin sur la plage. Et c'est l'unique accès à la forteresse. Mais dès qu'on aura passé la barricade, on suivra ce chemin qui mène à la forteresse, là, et qui traverse cette jungle.
Et en nous glissant par derrière, on pourra même libérer les slugs sans avoir à sortir nos blasters. Oui, mais si jamais on doit les sortir, on aura besoin de toutes nos slugs. Et ça ne suffira pas. Je vous donne la mienne. Merci. Comment elle s'appelle? On ne donne pas de nom aux slugs. Moi, si. Chouette! Toi, je vais t'appeler Rookie. Et elle fait quoi? Aucune idée. Je n'ai pas de blaster. Je l'ai encore jamais lancé. Eh bien, on ne tardera pas à le savoir. Tu veux bien t'occuper d'elle, Burpee? Je vais réunir la troupe. On a perdu beaucoup de nos hommes, mais il nous reste encore quelques bons lanceurs. Merci, mais il vaudrait mieux que vous restiez ici pour assurer la protection. C'est vrai qu'on a besoin de souffler. Tu es sûr? Affirmatif. On se retrouve à la barricade dès qu'on l'aura sécurisée. À vos postes, il va y avoir de l'action. Burpee, les tirs viennent de ce barrage. Faites diversion. C'est comme si c'était fait. Ensemble. Oh, deux fois, tu me dois un smoothie. Tu dois un sandwich ou vomi de larves. Jouer. Prête pour la mégamorphose, Burpee. Bravo. Wouhouhou. Mais c'était Rookie! Voyons ce qu'elle sait faire! Qu'est-ce que c'est? Oh, 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 vite, vite, vite! Ouais. Il faut neutraliser ces mercenaires. Oh,
joué, Shane. On va poster des hommes pour protéger vos arrières. Bonne chance. Merci. Bon, les amis, si on veut prendre cette forteresse par surprise, il faut partir maintenant. Le passage arrière se trouve juste à quelques pas d'ici. Arrête, gros troll! Même si j'ai envie de me bagarrer, la discrétion est notre meilleure arme dans cette mission. Oui! Jamais assez sur l'importance de rester parfaitement silencieux. Envoie Spinner. Je vais mettre ça dans le bêtisier de cette année. C'est pas ce qu'on appelle une arrivée discrète. Oui, je suis certaine qu'ils sont tous en train de pointer une arme sur nous. Eh bien, s'ils ne sont pas tous là, il y a beaucoup de monde quand même. Regardez, il y a un Darkban. Attention! Récapitulons, on ne peut se cacher nulle part. Ils sont supérieurs en nombre et un gigantesque Darkban venu des cavernes profondes nous mitraille avec le plus gros canon que j'ai jamais vu. Ils croient qu'ils ont une chance contre Ponto. Je les ai déjà vus quelque part. Accélérer la fabrication de ghouls. Je veux que les slugs restantes soient transformés tout de suite. Je le sens aussi, Burpee. Ils sont en train de transformer les slugs en ghouls à toute vitesse. Il faut essayer de franchir ces murs. Tant que mon blaster n'est pas rechargé, je peux pas faire de tir fusion. Oh, essaye la mégamorphose. Je voudrais bien, mais c'est la vitesse qui me manque. Il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Prête, Burpee? Je voudrais pas te bousculer, Burpee, mais on se fait tirer dessus. Tu veux que je te lance sur le mur? D'accord, Burpee, fais comme tu veux. Attrapez cette inferne là et transformez-la! Burpee!
Il faut prendre cette colline et libérer les slugs. Burpee a bravé tous les dangers pour sauver cette caverne. Elle aimerait qu'on en fasse autant pour elle. Et nous ne l'abandonnerons pas. Allons délivrer Burpee et toutes les autres slugs. Rookie, tu es sûr? Bon, c'est le moment idéal pour savoir ce dont tu es capable. Rookie a réussi! Venez! Gardez vos meilleurs slugs pour le plus dangereux, le Dark Van! Bien joué. Ah, le transformateur est tout prêt. Suivez-moi. Par suivez-moi, je voulais dire bien sûr. Après vous. Qu'importe l'ordre dans lequel vous allez y passer, c'est suffisamment de ghouls pour tout le monde. Ah, tire maintenant encore. Je ne peux même pas l'atteindre. Non, mais tu l'occupes. Petit Shane, si tu es le meilleur que ce monde peut nous opposer, Slug Terra est perdu. La transformation en ghoule n'est pas finie. Je vais t'écraser comme une punaise. Saleté de slug. Je vais... Tu ne feras rien du tout, le Dark Van. C'est loin d'être terminé. Croyez-moi, ça ne fait que commencer. Rookie, tu es devenu un membre à part entière de ma fraternité de combattants. Bravo! Bravo, bravo, bravo. La caverne reprend vie. Avec le temps, elle guérira. Encore une nouvelle victoire pour Shane et sa bande. Non, pas encore. Des appels de détresse, ils se multiplient. Black est sur le pied de guerre. Il ne ciblait pas que cette caverne. Il s'attaque à tout Slug Terra. Eh bien, s'ils cherchent la bagarre, on les attaquera de front, les Dark Ban et lui, comme on vient de le faire. Et on leur montrera que les Shane n'ont pas peur de leur ghoul. Slug Terra ne cédera jamais.
pensions que Slug Terra resteraient toujours la même, belle et paisible. Un monde de magie et d'espoir. Mais ça a bien changé. Le professeur Black a tout changé. Il a ourdi ses plans secrets. Il a fouillé un monde interdit pour amener l'enfer dans le nôtre. Quand un puits s'asséchait, il en creusait un autre. C'est tout ce qu'il lui fallait pour se constituer une armée. Oui, mais une armée de ghouls. Et il ne s'est pas arrêté là. Le professeur Black a mis au point une technologie comme on n'en voit que dans les cauchemars. Il s'en sert pour anéantir tous ceux qui osent lui barrer la route. Il n'existe aucune prison dans Slug Terra dont il ne puisse s'échapper, car maintenant, les Darkbane travaillent pour lui. Ici, en ce moment. Non ! Slug Terra sera à moi, et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Les Darkbane ne sont pas une légende. Ces créatures sont prêtes à tout pour envahir Slug Terra, même à faire alliance avec le professeur Black. Nous devons les en empêcher, et nous avons besoin de votre aide, non seulement ici, mais dans toutes les cavernes dont Black s'est emparé. Nous sommes des chanteurs et des danseurs. Ces Darkbane vont nous mettre en pièces. Je suis désolé, mais débrouillez-vous tout seul. Eh bien, apparemment, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on va faire. Rassemblez toutes les slugs que vous pouvez. C'est pour ça que vous êtes là. Trixie, viens voir ça. Oh, il y a tout un tas de gardes. Parfait. Oh, mais est-ce que tu crois que... Oui, tu veux t'en charger? Après tout, c'est ta slug. Très bien. Oh oh. Tu sais où frapper, Rookie? Vas-y. Pronto, t'es là-haut? Oui, je suis là! Et la vue est absolument splendide! Quoi? Je crois qu'il nous réserve une mauvaise surprise. Elles sont bizarres, ces ghouls. Elles sont beaucoup plus puissantes. Et plus rapides.
Ils ont des dents pointues. Les Darkbane ont modifié leur blaster. Ils ont ajouté un accélérateur qui permet la mégamorphose. Ces ghouls se comportent comme Murphy sur la route de Stalagmite 17. S'ils ont des ghouls mégamorphes, je vois pas comment on va pouvoir rivaliser. Il faudrait procéder à quelques modifications, nous aussi. Oui, mais pour le moment, il faut sortir de là. Fusion, maintenant! Je dois attendre que mon blaster soit rechargé pour tirer. On n'a pas d'autre solution, Ellie. Je suggère qu'on n'oublie pas la bonne vieille tactique. La fuite! On n'a pas le choix. Je croyais qu'ils étaient tous partis. Il faut protéger ces gens. Comment? Les Darkbane ont des ghouls mégamorphes surpuissantes. On ne peut rien contre eux. Eh bien, heureusement que nous aussi, on a une mégamorphe. Mais, petite tête, si tu penses à ce que je pense que tu penses, c'est hors de question. Ces rues sont beaucoup trop petites pour que tu atteignes la bonne vitesse. Il suffit que je prenne de la hauteur. Là-haut! Non! Mode planeur! Je préfère ne pas regarder! À toi de jouer, Chiller! Mode moto! Bravo, Burpee. Allons-nous-en d'ici. Laissez-les filer. On va ramener toutes les slugs qu'on a capturées au professeur Black. Dépêchez-vous. Ils ont capturé beaucoup de slugs, mais au moins tout le monde a pu s'échapper sans problème. On s'est quand même bien fait battre. Tant qu'on ne sera pas aussi fort qu'eux, on n'a aucune chance. Il faudrait que le reste de nos slugs arrive à faire ce que tu fais, Burpee. Sans avoir à sauter du haut d'un immeuble. Ben, ça a marché, pas vrai? Tu trouves? D'après mes calculs, l'important, c'est la vitesse. Plus une slug ou une ghoul prend de la vitesse, et plus elle a de puissance quand elle se transforme. Mais ils n'utilisent pas n'importe quelle ghoul. Tu as vu ces monstres? Je ne serais pas surpris que ce soit les meilleurs ghouls de Black. Ça expliquerait pourquoi Burpee peut le faire. Aucune autre slug n'a autant d'expérience qu'elle. Moi, je ne peux vous aider que pour la première partie, la vitesse. Et je n'en suis même pas sûr. J'ai augmenté la puissance de ce blaster, ce qui n'a pas été bien difficile pour un troll aussi talentueux que votre serviteur. Toutefois... les blasters ne sont pas conçus pour supporter une telle énergie. Tu ne peux pas bricoler pour les rendre plus résistants? Si je pouvais, je le ferais, mais je n'ai pas les compétences pour ça. Et tu sais ce que ça veut dire. On va rendre une petite visite à Croc-Rouge. Presque toutes les routes qui mènent chez lui passent par des cavernes contrôlées par le professeur Black. Quoi? Oubliez vos cartes. Vous savez, pronto, je vais vous y conduire en toute sécurité et avec style. Vous voyez, un chemin sûr, comme promis. La caverne des prairies calmes a l'air plus calme que d'habitude. Où sont-ils tous passés? Venez, Croc-Rouge, c'est peut-être quelque chose. Si ce vieux grincheux est toujours là. Ah, génial, il est là. Tiens, ne serait-ce pas Shane et sa bande? Je suis ravi de vous voir. Dites-moi, que me vaut ce plaisir? Que me vaut ce plaisir? Ça m'ennuie de l'admettre, mais j'ai besoin de vos lumières de maître armurier. J'ai essayé d'augmenter la vitesse des blasters, mais en fait... Où sont-ils tous passés? De quoi est-ce que tu parles? Ils parlent de cette ville qui semble un peu vide. Oh, ça, eh bien, qu'est-ce que vous diriez de venir boire une limonade? Je vous raconterai tout ce qui s'est passé. C'est une idée fantastique!
pronto à la gorge un peu sèche, mais j'espère que votre limonade n'est pas trop sucrée. Et pronto aime bien qu'elle soit... pétillante. On ne va pas boire de limonade? Non. L'hospitalité, ce n'est vraiment pas le genre de Croc Rouge. J'aurais peut-être dû travailler un peu plus sérieusement mon personnage. Twist! Oui, c'est moi. Vous n'êtes peut-être pas tombé dans notre piège, mais je crains que vous ayez du mal à leur échapper. Pas étonnant qu'on soit arrivé facilement ici. C'était un coup monté. Désolé, Pronto. Eh bien, je refuse d'accepter ton scénario des plus évidents. Je préfère garder mes illusions. Merci infiniment. Eh bien, je comprends pourquoi les Darkbans ont des accélérateurs sur leurs blasters. Black a dû enfermer Croc Rouge dans sa forteresse. Et ça veut dire que tu vas demander à Pronto de t'y conduire. Notre seule chance de les vaincre, c'est de libérer Croc Rouge au plus vite. Ce doit être notre mission, Ellie. Peu importe le reste. Il faut qu'on arrive avant eux. Mode moto, direction la sortie. On fait quoi maintenant? On essaie de ne pas se faire exploser. Tout commence à fatiguer un peu. Là-bas, on fonce sans se retourner. Chargez! Feu à volonté! C'est le moment de vous enfuir, les filles. Allez, sauvez-vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Filez. Tu as réussi à m'attraper? Soit tu es un héros, soit tu es inconscient. Ou probablement un peu des deux. Je le confirme. À quoi tu joues, Shane? J'essaye d'aider mes amis, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre, apparemment. Ravi de t'avoir rencontré, Ellie. Allons-y. Le professeur Black va bientôt descendre pour décider de ce qu'on va faire de toi. Dites-lui de ne pas trop traîner. Si jamais je m'ennuie, je pourrais m'évader. Tu te prends pour un super lanceur, Shane. Mais pour le moment, tu n'es qu'un prisonnier, sans ses slugs et sans son blaster. Un bel objet, un de mes frères Darkban en fera certainement bon usage, après quelques modifications. On est entré. Et on est sorti. Hé! Hein? Hey! Une slug s'est échappée. Alors, à ton avis, de quel côté il faut se... Qu'est-ce qu'il y a, Burpee? D'accord, d'accord, chut.
On va aller jeter un œil. Oh! Tu as senti toute cette mauvaise énergie des slugs. Oh, je savais que Black produisait des milliers de ghouls, mais ça, c'est inimaginable. De toutes ces ghouls. On tient le Shane. Joli travail. Il ignore le sort qui l'attend. Mais pour l'instant, il me faut plus de ghouls. Débrouille-toi. Je veux savoir ce que fait cette machine. Mais d'abord, il faut retrouver Croc-Rouge et le mettre en sécurité. Une pièce sous bonne garde. Ça, c'est prometteur. Hein? Écoutez-moi, espèce de marchand de ghouls, j'irai beaucoup plus vite si vous arrêtiez de m'interrompre. Oh, tu es vivant! Pourquoi je ne le serais pas? Quand ce gros balourd de Black m'a rapporté ça, je t'ai cru perdu. Vous l'avez déjà modifié? Oh, ce sera plus facile que ce que je croyais. Il suffit de lancer Burpee sur le mur et... Oh! Mais que fais-tu? Je n'ai pas encore étalonné le régulateur de vitesse. Je ne sais pas ce qui peut se passer si tu t'en sers maintenant. Oh. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ça. T'as vu ça? C'est incroyable! Ellie! Attrape! Je constate que nous avons un point commun, toi et moi. On ne reste jamais en prison très longtemps. Vous dites que mon blaster n'est pas prêt, mais c'est vraiment risqué? Eh, on n'est pas éternel. Vas-y, lance! Je crois que ça a marché. On ferait bien de se sauver. Je te conseille de bien t'accrocher cette fois. Pour ça. Oh, allez, dégonfle, grosse potriche. Eh, vous en avez mis du temps. On a fait du tourisme. Allons-y. On tient le chêne. Et comment est-ce qu'on le tient exactement? On va les retrouver. Non, ce ne sera pas utile.
Encore une cargaison de slugs, et j'aurai assez de ghouls pour soumettre Slug Terra à ma volonté. Allez au travail. Oh, merci d'être venu nous chercher, mais comment saviez-vous que je serais là? Ellie Shane suit toujours son instinct de héros. Généralement pour faire quelque chose d'aussi héroïque qu'insensé. C'est ce que tout le monde pense de moi? C'est toi. C'est tout à fait toi. Oh, l'important, c'est que Croc-Rouge soit libéré et qu'on ait ses accélérateurs. Maintenant, il va falloir familiariser nos slugs avec cette technique. On va rentrer à la tanière et s'entraîner. On sera compétitif en un rien de temps. D'accord. Dès qu'on sera prêt à rivaliser avec les Darkban, on reviendra ici. Le professeur Black prépare un mauvais coup, un truc monstrueux. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à pouvoir l'empêcher de nuire. Des Slug Terra rencontrera la nôtre. Nous montrerons à Slug Terra quelque chose d'encore plus magnifique. Notre Führer! Elles aussi. Grâce aux nouveaux accélérateurs de Croc-Rouge. C'est plus qu'une simple amélioration. Stunts n'y arrive pas, même avec les accélérateurs. Elle ne supporte pas une telle vitesse. Désolé, Stunts. Certaines slugs supportent l'accélérateur, d'autres pas encore. Alors comment est-ce qu'on peut savoir lesquelles le supportent? Allons-y, les filles. En ligne, je fais l'appel. Burpee, Banger, Stunts, Rookie, Buzzsaw, Chiller, Electra, Spinner, Suds, Spooker, Glimmer, Picker, Bolo, Cooper, Tangles, Digger, Mo, Burner, Larry, Mucky, Sparky, Rookie. Bien, je vous explique. Burpee, Banger, Chiller, Electra, Spinner, vous supportez l'accélération et vous pouvez vous mégamorphoser. Je compte sur vous cinq aujourd'hui. Beaucoup. Buzzsaw, Bolo et les autres, ne vous en faites pas. Je sais que vous y arriverez. Bolo, Buzzsaw, attendez. Même si vous ne pouvez pas vous mégamorphoser, vous faites partie de mes meilleurs slugs. Votre tour viendra. Je le sais. Alors, seuls les meilleurs slugs y arrivent, hein? Dans ce cas, je vous assure que Stinky va rejoindre leur rang. T'as Brutosaurus? Stinky! J'ai toujours su que tu étais doué. Je
reconnais mon erreur. Maintenant, on sait comment tenir tête à Black. J'espère que ma théorie est bonne. Sinon, on fonce droit dans la gueule du loup sans aucune raison. Toutes ces goules dans un même endroit. D'après ce que tu dis de cette machine, elle ne peut servir qu'à un seul but, Ellie. Il perce un tunnel vers les cavernes profondes. On a déjà combattu une armée de Darkban. Et pour ma part, je n'ai pas envie de recommencer. Oui, tout ça c'est bien gentil, mais s'introduire dans la forteresse impénétrable de Black exige plusieurs choses. Du courage, de la témérité, de l'audace, mais de l'intelligence, aucune. Tu sais, je suis bien content que tu penses ça, Pronto, parce que j'ai décidé de te confier une autre mission. Et tu es sûr que je ne peux pas vous accompagner? Bonne chance, Pronto. Oui, je vais en avoir besoin. Allons-y, les amis, il n'y a pas de temps à perdre. Je ne sais pas quand Black va se manifester, mais rien ne doit nous ralentir. Dans ce cas, je crois qu'on va avoir un problème. Y'a pas de problème. Il suffit de se rappeler une chose. Pas de tir à répétition en mode Megamorph. Écoute, tu les entends? Elles griffent, elles grattent, elles s'impatientent. Elles sont presque là. Les Shane aussi. Ils viennent vers nous, avec une puissance de feu impressionnante. Je suis sûr qu'on va trouver à les occuper le temps que vos frères arrivent, n'est-ce pas? Je comprends maintenant pourquoi Ellie a choisi Pronto pour cette mission des plus dangereuses. Pronto est courageux, extrêmement intelligent. La seule chose que j'ai du mal à comprendre, c'est... Pourquoi est-ce que Pronto a accepté? Geralito! Tu es vraiment sûr, Ellie? Non. Et toi? Non. Alors, allons-y. On va régler ça entre vous et moi, Black. Inutile de mettre les autres en danger. Oh, ce sera entre toi et moi. Mais je t'assure que tes amis ne seront pas épargnés. Allons-y. Corde. À nous de jouer. Un tunnel portail vers les cavernes profondes. Je pensais pas qu'il avait déjà commencé. On est loin du commencement, Ellie Shane. C'est déjà terminé. Attention! Corde, bouge-toi! Oh, ma magnifique Mecha. Cette fois, tu vas le regretter. Je te dois des remerciements. Si toi et cette Inferna ne m'aviez pas montré comment faire,
je n'aurais jamais réussi à améliorer mes ghouls. Vous seriez prêt à détruire votre propre monde? Oh, c'est pas vrai. La forteresse est trop petite. Un empereur mérite un véritable palais. Tu ne crois pas? Mais moi, je vous parle de Slug Terra. Que croyez-vous que les Darkbane vont faire quand ils seront tous là? Une partie de Slug Ball? Les Darkbane se plieront à mes ordres. Ils ne sont pour moi qu'un moyen d'arriver à mes fins. Oui, notre fin à tous. Non, pas celle de tous, mais certainement la tienne. Corde, je ne peux pas tirer. Moi, je peux. Maintenant, à nous deux. Crorou, j'avais dit que le nombre d'accélérateurs était limité. Dommage pour toi qu'il ait menti. Mon accélérateur! Le clan des ombres est toujours rassemblé au portail du gardien. Oui. Dans ce cas, rien ne peut nous empêcher de passer par cette entrée pour envahir Slug Terra. Nous avons attendu un millénaire, mes frères. Mais bientôt, Slug Terra sera à nous. Oui, j'ai affronté ton père une douzaine de fois, et tu es peut-être meilleur que lui, mais pas assez bon. Vous n'avez pas idée de ce dont je suis capable. Tu n'aurais pas tenu aussi longtemps si on était dans les cavernes profondes. Ben, on n'y est pas. Mais si c'est de là que tu viens, je me ferai un plaisir de t'y renvoyer. Tu crois forte avec tes slugs. Tu es aussi pitoyable que les autres slugteriens de ce monde. Pour quelqu'un qui déteste les slugteriens, vous avez l'air d'adorer recevoir des ordres du professeur Black. Tu crois qu'on est à la solde de Black? Peut-être pour le moment, mais bientôt, quand le reste de mes frères émergera, les choses seront vraiment différentes pour tout le monde. Oh, ça tombe mal. Et une Brutosaurus. Une. Oui, vous avez raison de craindre la colère d'un Pronto le Magnifique. Quoi? Nous avons monté la garde devant le mauvais passage, mais grâce au topoïde, nous allons maintenant corriger cette erreur. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais je suis bien content de vous voir. Oui, oui,
Inutile de me remercier de vous avoir sauvé et d'avoir sauvé Selectera. Je suis Pronto. C'est mon quotidien. Toutefois, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Venez, il faut aider Ellie. Voyons voir. J'ai pris un bon petit déjeuner, j'ai sauvé le monde. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Hein? Basso, Bolo, vous êtes bien deux de mes meilleurs slugs. Je suis content que le tir fusion ait marché. Marché? Tu as lancé les meilleurs slugs et tu as échoué. Slugterra va tomber. Regarde! Dans le tunnel portail, à l'attaque! À l'attaque! Tu peux me dire ce qui t'amuse? C'est nous! Vous arrivez trop tard. J'ai déjà gagné. Oh, salut, cousin. Je ne vous attendais pas. Ils sont de plus en plus nombreux. On n'arrivera pas à les arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez détruire tout Slugterra. Il me faut des slugs. Wow. Et moi, il me faut un médecin. Attendez, je me souviens maintenant. Le clan des ombres m'a aussi confié. Si. Docteur. Une guérisseuse. Non. Ravi de te revoir. Faites quelque chose, Black! Quoi? Rendez-vous, Black, c'est terminé! Non! Il essaie de fermer le passage! Arrêtez! Ellie est à l'intérieur! Bonjour aux cavernes profondes! Bien vous expliquer. Y a un problème, Cord? Il a essayé de fermer cette machine quand tu étais encore à l'intérieur. Pardonne-moi, fils de Shane. Je n'ai agi que pour le bien de tous, Slugterra. Je sais. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Le portail a été remplacé. Et sans les ghouls, personne ne pourra plus jamais le franchir. Alors c'est terminé? Les Darkbane? Black? Ils sont partis? Oui.
grâce à toi et à tes amis, fils de Shane. Tu plaisantes ou quoi? Tu veux vraiment remonter à la surface? Ne sois pas aussi émotif, Cord. Bien sûr qu'il veut remonter maintenant qu'il sait manier son univers là. C'est pour ça que nous sommes venus jusqu'à la trappe. T'es prête? Et rien de ce qu'on pourra dire ne te fera changer d'avis. Je suis très touchée par tout ce que vous m'avez dit en chemin. Mais je sais ce que je dois faire. Alors c'est fini. On va se séparer. Quoi ? Quoi ? J'allais quand même pas laisser une trappe géante qui mène à la surface à la portée de tout le monde, pas vrai ? Alors, tu restes ? Je savais. Tu nous as bien fait marcher, petite tête. Allez, approche. Vous aviez raison. Slug Terra a besoin d'un Shane. C'est ici chez moi et vous êtes ma famille. J'ai pas l'intention de m'en aller. Mais il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite. Comme je le dis toujours, les Slugs montrent la voie.